Marc, vous faites désormais partie des gros bras européens. Les équipes que vous allez affronter ont sans doute un peu peur de vous et de vos diables. Qu'est-ce qu'elles vous évoquent ? Disons qu'on a évité la France-Italie dans le groupe 2, on a évité la Serbie. Et alors, à un moment donné, il y a eu un peu de suspense parce qu'on arrivait dans les deux groupes de 5 avec la Croatie. Et je crois que la Croatie a tiré le groupe le plus difficile dans les 5. Voilà, mais je parle avec beaucoup de respect de chaque nation. La Bosnie, la Cypre et Chypre sont déjà dans notre groupe de qualification pour l'Euro. Après, la Grèce a eu un très très bon moment, un passage assez difficile. Et l'Estonie, qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. Donc, on va jouer clairement pour la première place, ce qui est toujours notre objectif. Vous allez peut-être en plus jouer ces qualifications avec le titre de champion d'Europe en titre. D'abord, on va se qualifier, ça c'est la première chose à faire. Il nous reste 4 matchs et après on va faire un bon tournoi. J'avais dit après la Coupe du Monde où on n'était plus là après 12 ans, on fait un quart de finale qui était très bien. On était dans les 4 meilleurs Européens déjà à ce moment-là. Donc si on parvient à accrocher une demi, je l'ai toujours dit, c'est l'objectif pour l'instant. Le titre, on peut en rêver, c'est très beau, mais je sais que c'est très difficile à aller chercher. Mais si on peut l'avoir, on le prendra, c'est sûr. Vous avez connu des qualifications avec une équipe en reconstruction. Là, vous allez connaître des qualifications avec une équipe en pleine possession de ses moyens. Qu'est-ce que ça change dans la manière d'aborder les qualifications et les matchs ? Mais ça change que je ne vais plus dans l'inconnu. Donc j'étais 3 ans comme adjoint, donc je connaissais déjà le groupe. Puis j'ai fait des choix qui étaient aussi bien avec Courtois, De Bruyne, Benteke, Witzel, tout ça, des joueurs. On a trouvé, je pense, un système de jeu offensif qui plaît à la Belgique et on a redonné beaucoup de confiance. Les résultats ont suivi, le public est là. Donc on a été sur une très bonne dynamique. Mais vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une défaite comme 1-0. Par exemple, au Pays de Galles, on avait gagné 3-4 en France. Tout le monde criait, voilà. Ça, c'est la vérité du foot. C'est se remettre en question. J'espère que les joueurs qui ont fait des transferts vont jouer parce qu'on a besoin de toutes nos forces. Partir dans les grands clubs, c'est bien, mais jouer, avoir du rythme, c'est mieux. Merci beaucoup, Marc, et bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous.